l'objet de notre visite aujourd'hui, c'est de venir un petit peu constater l'avancement des travaux de remblai qu'on a entamé et qui va se dérouler le long donc, de la digue. Travaux qu'on avait promis dès le départ, travaux qui vont nous permettre un petit peu de récupérer non seulement de l'espace, mais aussi de lutter contre le dépôt sauvage des ordures. Et on a constaté que présentement, en tout cas, les travaux avancent. Plusieurs centaines de millions donc, sont en train d'être dépensés sur ce site. Et qu'à terme, c'est un site qui sera sécurisé et pour des aménagements ultérieurs. Et nous sommes un petit peu satisfaits, en tout cas d'abord de l'avancement des travaux, vu qu'on voit de moins en moins de terres d'ordures, mais aussi nous voyons aussi que même provisoirement que les jeunes sont en train de l'occuper pour faire du sport. Donc en perspective, en tout cas la commune se prépare à prendre toutes les dispositions nécessaires, non seulement pour sécuriser ce site, parce que nous n'allons pas du tout accepter qu'il y ait en tout cas des occupations sauvages, de parcellisation, etc. D'autant plus que juste à côté, il y a un site qui est réservé pour donc, le ministère des Infrastructures pour la réalisation en tout cas, de la gare de Saint-Louis, parce qu'il y aura avec le nouveau chemin de fer qui va passer sur Saint-Louis pour aller vers Matane. Il y aura un gare qui sera érigé juste vers la gare routière, un petit peu en face de la gare routière. Et toute cette partie-là sera sécurisée. Mais nous allons aussi prendre des dispositions, pour les occupants, de voir comment faire pour eux, pour que en tout cas, leur droit aussi soit préservé. Ce qui est, madame, une dernière affaire. D'abord, récupérer espace, bruit, et ensuite, parce que bien sûr le fil, quand vous donnez du gibi, voire des aéros, voire des Mauritaniens, voire des Fénènes, des gens qui se font faire salter one. Mais aujourd'hui, ils n'ont ni accès qui ni quoi ce que, donc salter bien à mon tour. Tiens, bien, vous n'avez rien là. Tu n'as que mes et que dans toutes les dispositions pour que vous ayez une occupation sauvage. Deuxième phase, oui, maintenant, nous sommes d'arrêt parce que à bien côté du gibi, bien côté d'arrêt. Mais quoi que compliqué, mais d'en réfléchir, on est que deuxième phase. Mais première phase, il faut d'abord y concentrer. Parce que les gens c'est des centaines de millions de camions. Il faut que les gens camions, des centaines de camions, qui sont des camions. Et ils continuent parce qu'ils sont des camions. 4 km sur 4 km 500 ou 600 et sur des profondeurs de 200 mètres à 100 mètres environ.